Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur laquelle j'ai certainement le plus ragé, même la partie sur laquelle j'ai le plus ragé dans ma vie. Et encore, je me suis contenu parce que je savais que j'étais en train d'enregistrer, sinon je l'aurais insulté vraiment tous les noms. D'ailleurs, je l'ai insulté, donc je m'excuse déjà pour la petite gaffe que j'ai faite. Franchement, à celui qui a créé ce que je vais uploader maintenant, je voudrais juste, tu vois ma main. J'aimerais juste qu'elle se colle, mais parfaitement sur ta joue. Et que tu crèves, tu vois, juste que tu crèves. Sincèrement, j'en ai ras le voilà. Je vais essayer de rester zen, ok? J'en ai marre. J'en ai franchement marre de ces trucs. Ça fait 2 semaines que je m'en tape. Là, ça fait au moins la 5e fois que je vois des putains de lobbies devant ma face, dans l'équipe adverse ou même dans la mienne. C'est franchement chiant, on peut tout simplement pas jouer, ils gâchent tout le jeu, ils gâchent tout le plaisir, ils gâchent le jeu, ils le pourrissent, c'est génial, c'est... Voilà, ça y est, BO2 c'est fini. Pour moi c'est fini, là, ça y est, ça fait 2 semaines, là, ils ont commencé, c'est devenu le gros bordel. Avant c'était pas autant, mais alors là franchement, en 2 semaines, là, le voir 5, même 6 fois, c'est pas normal du tout. Bref, j'espère que ce très court gameplay va vous faire marrer ou vous faire rager autant que moi, j'en sais rien du tout. J'espère juste que cette vidéo vous fera plaisir. Donc moi je vous laisse. Allez, ciao tout le monde. Et l'objectif. Alors voilà, voilà la partie géniale quoi. Gros hacker, déjà on se retrouve en 2 contre 2. Le mec il voit qu'on gagne la première partie, qu'on les poutre. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous hack. Ça c'est même pas un, c'est un lobby, mais c'est ça, c'est le pur gros lobby là, comme celui que j'avais foutu sur ma chaîne là, le premier. Regarde-le, ce fils de pute qui nous freeze. Désolé pour le gros mot, mais bon. Regarde-le ce guignol. Il sait très bien qu'on le voit. Vas-y, ta mère. Ah vas-y, il m'a freeze, l'enculé. Putain, tu m'énerves. Hop, tous les hits. Mais oui, ça m'énerve. Attention, machine de guerre est déployée. Vas-y, mais... Mon gars, mais t'as aucun mérite. Tu le sais, au moins. Tu le sais que t'as aucun mérite. Là, mon garçon. Tu sais que t'as aucun mérite. Je ressors. Maître Yoda. Changement de point de départ. Maître de rien du tout. Recherche et destruction. Ah, bouge pas, t'as raison. Mais bien sûr qu'on va pas bouger, tu vas encore nous freeze. Regarde-moi ce gros plou, mon gars. Gamin de 14, mais d'où une gamine comme ça peut avoir un truc comme ça, mais allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Voilà les mecs quoi. On y va. Allez, invincible. Invincible la grosse salope là. Là il est invisible aussi. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? On voyait pas? Eh ben, t'as du mal à viser? Bah, non, je t'ai mis un headshot. Ah non, non, ça c'est quand t'as... Ça, je crois que c'est quand t'as foutu ton lobby, en fait. T'es de bite, va. Ah, t'es heureux d'avoir niqué Call of. T'es le genre de mec le moins aimé au monde, j'espère que t'es au courant. Pfff, Noopy, la con. Bon voilà les gens, je me suis dit qu'on allait se faire un petit tour dans les coulisses quand même avant tout simplement pour vous montrer ce qui s'est vraiment passé, mais de son point de vue à lui, parce que vu que j'avais réussi à le trouver sur, enfin vu qu'en allant dans le mode studio j'avais réussi à vous uploader l'autre vidéo juste avant, j'imagine que là aussi on pourra voir son magnifique petit menu de lobby. À ce petit enfoiré, ce petit puceau de merde. Ça a 12 ans, ça prend une branlée sur la première partie, et au final, ça rage et ça sort le lobby. C'est génial. C'était juste un mec qui n'avait pas de couilles, il a voulu jouer normal au début, il a vu que ça marchait pas, mais du coup, t'as regardé. On va regarder d'ailleurs. Vous avez vu en bas à gauche ou pas? Il y avait un petit truc L3 plus R1, c'est exactement le même lobby que la dernière fois. Fouah, ça va m'énerver ça. Alors déjà c'est pas moi le premier qui fait, enfin c'est moi qui fait le premier kill, c'est mon pote.
regarder vite fait. Ah ouais, quand même, il a commencé à tirer avant de le voir. Là, déjà, ça c'est magnifique. Maintenant, on regarde mon point de vue. Non, mon point de vue. Ah, je suis allé trop loin. Bref, je l'avais vu descendre là, je lui ai dit qu'il était là. Et du coup, lui, il attendait pour le niquer, tout simplement. Là, il a commencé à rager. Il disait qu'on avait un lobby parce qu'il attendait, il savait qu'on le voyait. Et je pense que ça lui montait au cerveau. Il a pas compris que c'était vraiment moi qui l'avais vu, en fait. Maintenant, on va retourner sur les deux enfoirés. Alors, là, toi, t'es qui? Attendez. My name is. Alors, est-ce que t'as un lobby? Défendez l'objectif. Apparemment, non. Fais voir toi. Ah, speed x2, déjà. Je vais vous montrer la première manche quand ça... Là, je peux vous assurer que quand je l'ai vu arriver du coup de cette vitesse, j'étais là, ou petit con. Ça, je vais pas t'aimer. Dommage, là on peut pas les entendre quoi, mais franchement. De toute façon, vous avez la vidéo, hein, ça va commencer je crois à la manche 3 ou manche 4, je sais plus. Le temps que l'HDPR se lance et tout, et que je tilte dans la tête qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose comme ça quoi. Menu fait par Enston. Ok. Ah putain, pourquoi ça bug comme ça? On voit rien. Ah, ça y est, on récupère. Alors, je crois que celle-là... Infinity... Ah ouais, ok. Machine de guerre alliée déployée. Non mais t'es sérieux, regarde toutes les grenades qu'il y a. Ah là là, ça me fait rêver. Ok, il a tiré n'importe où, on est bien d'accord, il a tiré n'importe où. Attends. On va aller plus loin. Hop. Là c'est ici. On revoit l'action. Vas-y. On va se la faire au ralenti. Alors, attendez. Hop. Là. Au ralenti pour bien voir le shoot qu'il a, ce petit noobie. Pas de hit marker. Toujours pas. Toujours pas. Il a toujours pas touché. Toujours pas. Ouh, il est bien en rouge. Oh, un hit marker. Oh. Putain, mais c'est vrai que le lobby là, il le fallait pour qu'il gagne. Ah mais oui, il le fallait. Ok, on passe à la suite. Ah là, j'ai ragé, je vous le dis tout de suite. Hein. Si je fais cette vidéo, c'est justement parce que je rage. Et je me contiens. Allez, au suivant. Qu'est-ce que tu vas nous faire là? Je crois qu'il a commencé à nous freeze là. Ok, le mec, j'ai pas rêvé. MSMC. Ouais, ok. Il change d'arme. Ah, ouais. On nous voit en haut de la carte. Génial. Putain, pourquoi on voit rien? On voit pas son premier menu. En tout cas, c'est exactement le même lobby que la dernière fois. Il nous fait freeze. Ok. Ensuite. Terminez la mission. Vous êtes le dernier. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, faut qu'il sélecte les joueurs. Hop, freeze. Ah, il a fait freeze l'autre aussi. Je rêve. Attends. Moi? Lui? Ah mais l'autre joueur il est mort. On a dansé. Même en nous frisant, il a réussi à faire nous faire un hit marker. Ouh. Ah ouais, ok. Le camion qui explose avec bah, on sait pas du tout pourquoi d'ailleurs. Parce que la grenade elle a quand même pété loin hein, de ce camion. Allez, on passe. Vas-y. Montre-nous tes talents de lobby. T'as dû l'utiliser bien souvent pour le connaître aussi bien. Oui. Mbot, ok. God mode. Il hésite. Ah déjà, God mode, allez. Gros noobie. Invincible type. Génial. C'est là que ça a commencé, je m'en rappelle. Je sais plus comment j'en étais là. Ah, c'est la manche où on se campait ici. Ah, ok. Ah, ça vous l'avez pas vu. Il nous a fait monter en haut. Et là, hop. Oh, il a dit... Ah, attends. C'est quand même magnifique. Regardez ça. Alors d'abord, il nous flash. Alors qu'il sait très bien qu'on est fait... À
Attendez, attendez. Il va nous monter. Attends, on va accélérer un peu là, c'est pas exactement maintenant. Oh. Attends, voir. Fais voir le joli scope, il a voulu nous en mettre un, il nous a loupé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul. Alors attends. Regardez bien. Là ils nous font monter. Voilà. Alors là déjà il s'est arrêté parce qu'il a vu qu'il nous est monté. Et là, attention, attention le lourd scope. Oh, ah, attends, encore un peu plus. Voilà. Bon boulot, quelle belle collate. Quelle belle collate. Hop, on remet normal. Ok, déjà. Il fait son Superman à la con. Vas-y, fais-nous rêver. Tu veux nous faire quoi maintenant? Grenade paralysante. Ah, il sait même pas utiliser le son lobby, rien. Ah, il nous fait freeze. Freeze off. Freeze off. Ah, là, tu vas se jouer. Machine de guerre déployée. Non mais c'est magnifique, non mais moi ça me fait rêver. Et vous avez vu comment il parlait le gamin au départ. Je sais pas à quoi ça sert l'ennemi. Ok. Invisibilité, ouais il disait qu'il... Ouais il avait dit alors tu me vois pas et tout, et mon pote m'avait dit ouais il était invisible. Grenade paralysante. Ah, ah, même avec le lobby il m'a loupé. C'est quand même magnifique ça. Franchement, non mais sérieusement, vous avez vu la partie quoi. Je vois pas comment des champs pourraient faire ça quoi. Je vois pas l'intérêt. C'est complètement débile. Ça me fait rager, vous savez même pas à quel point. Donc si vous avez le temps, si vous avez la patience, si vous en avez envie, ben moi je vous invite tout simplement, attends, on va juste faire des retours d'ailleurs. Hop, on va juste faire ça, voilà, hop, on arrête la vidéo. Ce mec là, on est d'accord? Si vous avez le temps, je vous invite à aller le signaler, d'accord? Parce que c'est franchement une grosse pute. Et d'ailleurs, l'autre qui est avec lui, je sais pas s'il avait le lobby ou pas. Mais je pense pas, donc on va le laisser tranquille. Mais je pense quand même que c'est un bon ami à lui. Bref, moi je vais vraiment vous laisser cette fois-ci. J'espère que ça vous aura fait autant rager que moi. Bref, à plus les gens. Ciao tout le monde.